Yo, salut tout le monde! On se retrouve sur une petite vidéo tuto glitch comment devenir OTA, OTH, appelez ça comme vous voulez, pour réaliser le glitch les dons de véhicules sur GTA 5 Online. Ce soir, je suis en compagnie de Steve Mod qui m'aide à faire le glitch, ce tuto pour vous. Alors, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller checker et à s'abonner à sa chaîne également. Ça me ferait plaisir également à lui aussi. Alors, comment réaliser le glitch pour vous donner les véhicules, excusez-moi, sur GTA 5 Online? Alors, il faut vous inscrire en tant que Security Serve, en tant que PDG, comme je fais là également. Une fois ceci fait, comme la vieille manip que vous connaissez tous, je pense, se suicider quand vous entrez dans le casino, etc., etc. Bah maintenant, votre ami doit vous tuer. C'est-à-dire que là, hop, vous faites PS. Moi, c'est ce que je vous conseille chaque fois, c'est de trouver la personne avant de faire la manipulation, de pas avoir le même mode de visée que lui. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne personne qui rejoindre. C'est-à-dire que là, vous faites n'importe quelle communauté. Jeu en cours. Au cas où, si je fais des échecs, je vous mettrai des cuts. Comme ça, je vous mettrai que les passages intéressants. Alors là, rejoindre session, vous faites clic, vous X dessus. Récupération des détails, voilà. Là, vous faites double PS dès que vous avez le message d'alerte. 1, 2. Vous recliquez dessus sur la session, rejoindre la session. Lui, comme vous pouvez le constater, il n'est pas bon. Redouble PS, vous prenez un autre joueur. Lui, il serait bon. Mais on va retenter un coup, puisque là j'ai un petit doute. Double PS. Ah, je me suis fail, désolé. Pas cliquer assez vite. Hop. Je en cours. Alors, hop, on va essayer. Et lui, hop, il serait bon. Double PS, assez vite. Rejoindre session. Double PS, rejoindre. Lui, il est bon. C'est que là, ce que vous devez faire, c'est pavé tactile et vous mettre grisé, blanc. Vous mettez sur l'onglet Security Serve, petit trait, PDG. Et là, votre ami, ce qu'il doit faire, c'est faire un compte à rebours. 1, 2, 3. À 3, il vous met une balle dans la tête. Et vous, à 3, vous faites double PS, rejoindre la personne que vous voulez rejoindre. On va essayer. C'est bon, je suis prêt, Steveur. 1, 2, 3. Hop, double PS, rond. Et là, vous mettez sur le trait bleu, le point bleu, là, pour rentrer dans le casino. Et vous ne touchez à rien. Votre personnage va rentrer. Non, ça a fail. Bon, ça va, là, on peut enchaîner. J'ai spawn devant le casino. Donc là, vous refaites double PS. Rejoindre session pour être sûr. Double PS. Rejoindre. Lui, il est bon. Hop. Pavé tactile. Security Serve. Vous mettez au niveau du point bleu. C'est bon, je suis prêt. 1, 2, 3. Hop, vous mettez sur le rond. Allez, rentre, 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 rentre. Alors là, je pense que je me suis fait, les gars. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Là, vous voyez, là, je suis devenu en mode OTA. Alors là, maintenant, si vous sortez du parking du casino, vous allez par là-bas. Par là-bas, en gros, vous sortez, ça va vous enlever le bug. Alors, pour faire la suite du bug, rien de plus simple, vu que vous êtes en PDG, vous faites flèche du haut, liste d'activité. Ah, en plus, désolé, j'ai la batterie de la manette qui est faible. Liste d'activité, et vous prenez une mission de Lester. Si vous avez la mission Lester, le Bogden, c'est encore mieux. Vous la lancez. Hop. Là, le chargement va être assez long, qui est normal. Alors, je vous laisse tout, là, il n'y aura pas de cut.
passage là. Pendant ce temps, si vous voulez, je vous mets une petite musique pour vous faire patienter le temps du chargement. Ou à la rigueur, pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker les vidéos, à les liker, etc., etc. Et bien sûr, également, son lien de sa chaîne sera dans la description, la chaîne de Steve Mods. Ça lui fera plaisir également. Il prend du temps pour vous pour réaliser ce tuto. Alors voilà le chargement. Ne vous inquiétez pas si vous avez un chargement qui est long. Des fois, ça peut durer bien 3-4 minutes. Ça m'est arrivé déjà. Et celle-ci, c'est l'after patch qui remplace le suicide. Le suicide ne fonctionne plus. Et après, tout ce qui est don de véhicule, c'est comme avant. Vous prenez un véhicule, etc., etc. Normalement, tout le monde connaît la manip pour recevoir un véhicule. Alors, le chargement. Dépêche-toi, s'il te plaît. Bon, à la rigueur, je vous fais un petit cut et je reprends juste après, les gars. Re, les amis. Alors voilà, le petit cut effectué. Je reviens justement après, comme je vous ai expliqué, de rejoindre une mission Lester Bogden. Alors, dès que vous allez arriver dans la mission Bogden, voilà, vous devez voir, comme là, je suis buggé, ou alors vous allez attirer dans le désert, mais dès que vous allez être au sol, ce que vous faites option, en ligne, vous allez dans pacte d'entrée dans le monde criminel, vous cliquez dessus, là, vous faites une fois rond, hop, maintenant, vous ne quittez pas le mode en ligne, vous revenez dans activité, vous cliquez activité, jouer activité, créé par Rockstar, course casse-cou, vous prenez blazer aqua sable chaud, vous cliquez dessus, vous la lancez, ça vous dit cette activité n'est pas disponible, retour à GTA Online, etc. Là vous faites X, là vous refaites option, en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, course casse-cou, sable chaud. Et là, vous allez voir, la mission se lance. C'est-à-dire que là, vous lancez l'activité. Là, vous patientez. Vous attendez de pouvoir quitter la session, justement, Blazer à quoi. Voilà, comme là, moi, je veux pas la faire. Vous faites rond, quitter. Voilà, confirmer, oui. Hop. Et si vous avez réalisé le tuto bien comme il faut, que vous n'êtes pas fail, normalement, vous devez respawn devant le casino. Voilà, comme moi. Là, je viens de spawn devant le casino. Là, mes amis peuvent me tuer. D'autres joueurs peuvent me tuer. Je suis toujours buggé. Je suis en mode OTA, OTH. Ça dépend comment vous appelez ça. Bien, vas-y, Steveur, tu peux me tuer au pire pour montrer. Là, je suis là. Hop, voilà, il vient de me tuer. Normalement, si j'aurais pas été... j'aurais pas fait la manip suivante. Hop, il m'a renlevé le bug. Normalement, je suis encore buggé. Voilà, comme vous pouvez constater, je suis encore buggé. Je peux prendre un véhicule. Oups là. On va prendre n'importe quel véhicule. Vous allez voir que je vais m'écarter de la zone. Je serai bien en mode OTA. Pour les dons de véhicule. Et après, ben, tout le reste de la technique, c'est comme d'habitude. Vous appelez un véhicule. Centre d'opération mobile. Celui qui recevra, ça n'a pas changé ça. Tout le monde connaît la manip. Regardez là. Je suis assez loin du casino. Je suis toujours en mode OTA. Alors voilà. Allez, tuez-moi la police pour le fun. Pour la fin de la vidéo, ça serait bien. Hop, ils m'ont tué. Pour vous montrer même que la police peut me tuer. Et je serai toujours bugué. Voilà. Je suis toujours en mode OTA. Alors sur ce, bah j'espère que cette petite manip tuto glitch vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à s'abonner. Et sur ce, bah je vous dis bye bye et au prochain live. Tchuss !